Le renard roux est un petit animal que vous pouvez trouver se promenant dans les taïgas. Animal solitaire ne se déplaçant qu'en groupe de 2 à 3 individus et fuyant toute personne s'approchant de lui, il se nourrit principalement de baies qu'il cueille sur les buissons. Malgré cela, il a été observé chez les renards qu'ils se nourrissaient de toute nourriture à leur portée, excepté les gâteaux. Veuillez donc faire attention aux yeux d'araignée que vous pouvez laisser traîner afin de ne pas empoisonner les renards du biome. Le renard semble être un animal appréciant les objets divers et variés, les prenant dans sa gueule et se baladant avec lorsqu'il en trouve, et il en est difficile de lui en séparer. Le renard est un animal nocturne, dormant sous l'ombre des sapins le jour. Il profitera de la pénombre de la nuit pour se faufiler dans les villages alentours, à la recherche de nourriture. Malgré le fait qu'il puisse cueillir des baies, le renard est un prédateur pour les lapins et les poules environnants. Il s'approche discrètement, silencieusement, avant de sauter sur sa proie pour l'abattre. Mais, malgré cela, il reste lui-même la proie des loups et des ours blancs. Heureusement pour lui, sa vitesse lui permet de distancer ces deux prédateurs. Le cousin du renard roux, le renard blanc, se situe dans les taïgas enneigés. Très semblable, il possède tout de même un pelage blanc pour se camoufler dans la grande étendue poudreuse. Malgré qu'il puisse également s'attaquer aux poulets et lapins du coin, le renard blanc préférera chasser les poissons ainsi que les bébés tortues. À la fois proie et prédateur, ce timide nocturne peuplant notre taïga est aussi mignon qu'il est essentiel à notre monde.